Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bonsoir, et bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir à vous qui êtes ici là-haut, ici au milieu, en bas, en haut. Et bonsoir. Ravi de vous recevoir. Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous êtes tranquillement installés. Nous sommes ensemble pendant une petite heure. Merci, merci, merci mille fois de cet accueil extrêmement chaleureux. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est ensemble pour une dernière semaine, donc vous le savez, puisque jeudi soir, ce sera la dernière de Coucou, c'est nous. Mais il n'est pas encore temps de faire puisqu'on est ensemble jusqu'à jeudi, mesdames, messieurs. Nous allons accueillir immédiatement, attention, nous allons accueillir immédiatement celle qui va passer cette petite heure avec nous. Elle fut une excellente animatrice de radio, fut un temps. C'est une comédienne formidable, une fille absolument charmante et délicieuse. Elle a une voix sublime, elle est même chanteuse. Clémentine Célarier, la voici. Mesdames, messieurs, Clémentine Célarier, un accueil extrêmement chaleureux, la voici, la voilà. Ravi de vous recevoir, Clémentine. Bien enchantée, oui. Moi aussi. Ah, mais ça va très bien. On est à la télé là. Excusez-moi. On est à la télé là. Parce en direct. Que... Non, non, comme ça. Ah, on est en direct. J'avais oui. pas encore fait le 8 avec oui, l'ascenseur. Donc en ça. Direct. C'est-à-dire que bon, il y a des trucs. Non, non, mais il y a un truc qui se passe quand on est en direct. On peut dire clair. Les gros mots. Ça. Non, non, je non, non, oui, c'est ça, oui. Énorme, dégoûtant. très bien. Vous non, allez non. participer puisque vous. Vous la ramenez, vous allez participer tout de suite à l'énigme du jour, Clémentine. Non, je ne ramène pas. C'est du une charade très courte. Très courte. Mon premier n'est pas libre, il est cuit. Ok. Mon deuxième n'est ni le mien, ni le tien. Ni le sien, ni le nôtre, et il n'est même pas à vous. Voilà. Hein? Je répète, mon deuxième n'est ni le mien, ni le tien, ni le sien, ni le nôtre, et il n'est même pas à vous. Je peux vous dire la même chose à vous. Et c'est une réponse en chanson. Vous faites le 36, 68, 50, 50, le 42, 48, 16 et 16, et le 36, 15, code TF1, rubrique coucou. Clémentine, il vous est peut-être arrivé, s'il vous plaît, il vous est peut-être arrivé, fut un temps, d'avoir des problèmes à exprimer à quelqu'un qui pouvait vous aider en vous répondant. Oui. Ah. Voilà, et on va rejoindre immédiatement, mesdames, messieurs, Doc Difool et Patrice Carmouze, c'est parti. Comment ça va, Patrice? Ça va bien. Belle forme? Mais oui, comme tous les lundis. Comme tous les lundis. Comme un lundi. Comme un lundi. Merci les garçons, attendez une seconde, il faut qu'on y aille, on va enchaîner immédiatement. Clémentine, oui, est-ce que vous aviez... Rapprochez-vous un petit J'ai peu. J'ai pas du tout l'impression d'être à la télé, c'est souvent incroyable. Comment? J'ai pas du tout l'impression d'être à la télé, j'ai l'impression d'être dans une espèce de vaisseau spatial extraordinaire. Mais vous êtes dans un vaisseau spatial. Oui, bien sûr. Je oui. présente Spock. Enchanté. Hello Spock. Et il s'est coupé le bout. J'ai coupé un peu les oreilles, oui. Ah, oui. Il met des lunettes. Doc Difool, on les connaît évidemment, il n'y a plus besoin de les présenter. Peut-être Clémentine, avant de prendre un premier appel, avez-vous vous-même une question à poser à Doc ou à Difool? Oui. Je ne bande pas. C'est un problème. Hein. Elle est bonne. Hein. C'est très embêtant. Elle est bonne. Vous y répondrez un petit peu plus tard après l'émission. Vous êtes gentils, les gars. On va prendre un premier appel. Merci beaucoup. Votre prénom? Allô, c'est Anne. Bonsoir, Anne. Quel âge avez-vous? Bonsoir, j'ai 26 ans. 26 ans. D'où nous appelez-vous? De Croix, une petite ville près de Lille. Près de Lille, dans le Nord, donc. Voilà. Vous êtes une ch'ti. Une ch'ti. Une ch'ti. Quelle est votre préoccupation, si tant est que ça en soit une? Ben alors, moi, j'ai un petit souci. C'est que j'ai un chef de service. Il manque totalement d'hygiène, il sent très mauvais, il est sale, et il passe son temps à se gratter partout là où il y a du poil. Quoi? En fait, c'est un véritable quoi calvaire. Et le pire, c'est quand il nous appelle dans son bureau, on a tout été obligé d'apprendre l'apnée parce que c'est vraiment complètement irrespirable. Mm-hmm. Donc, il ne demande pas de le gratter quand même. Comment? Il ne demande pas de le gratter. Donc. Non, pas encore. Non, pas encore, mais je crains que ça n'arrive. Donc, bon, c'est assez délicat de lui dire, donc je voudrais bien qu'on trouve quelque chose parce que vraiment, ça devient... Faut lui dire, bon, bah écoutez, oui, mais enfin, c'est pas un problème donc personnel. Vous n'avez pas de soucis personnels. Non, moi j'ai pas de problème. Ah, mais comment voulez-vous que Doc donne un conseil de ce type puisque votre chef de service est peut-être en train de travailler alors qu'il est. Peut-être, certainement, j'espère pour moi d'ailleurs. Sans donner des conseils, c'est vrai que bon, tous les Français ne sont pas adeptes de la savonnette. La preuve, c'est vrai qu'il y a des sondages qui sont très mauvais. Oui, il paraît. Ça, c'est la première chose. La deuxième, finalement, apparemment, tu n'es pas dans son bureau en permanence. Non. Et la seule chose que je pourrais te dire, simplement comme ça. Vous vous connaissiez déjà? Qui, ah non. Avec cette jeune femme? Non. Pardon. Tutoiement facile. C'est plus chaleureux. C'est le tutoiement radio, ça. Et donc, voilà, je te dirais simplement une chose. Si, par hasard, c'était dans l'organigramme de la boîte un peu en dessous de toi, je pense que tu dirais beaucoup plus facilement. C'est vrai.
Alors, écoute, si tu as vraiment... Je crois que c'est pas manquer de respect aux gens de dire, écoutez... Non, mais c'est pas facile à un chef de service qui peut être éventuellement... Oui, bah, sans lui dire en face. Attention, je risque ma place, quand même. Mais bah, voilà, si elle lui dit, monsieur, pardonnez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous daubez... Mais non, pas du tout, parce que je crois qu'il y a... Non, ah, mais, un petit cadeau à Noël. Alors, ça, voilà, je vais répondre différemment. Il n'y a rien de pire, ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'ils sont mauvais, ils le rejetaient. Vous avez une espèce de, d'appréhension vis-à-vis de lui. Toutes ses qualités n'apparaissent pas. Il n'y a qu'une chose qui apparaît, c'est sa mauvaise odeur. Alors que si vous lui disiez en face, écoutez, sincèrement, vous êtes sympa, mais vous avez une odeur qui me dérange. D'ailleurs, Doc, est-ce que vous pourriez, vous l'avez. Moi, j'ai une idée. Mais à mon avis, on ne peut pas dire ça. Mais ma petite idée, enfin, si je peux me permettre, c'est de lui offrir un parfum. C'est ça. De lui dire, oh, que vous sentez bon. Le contraire de la vérité. C'est tu ça. Vois je me permets d'insister. Elle va dire, si je suis bon, je n'ai pas besoin. Merci beaucoup. Je me permets d'insister, car c'est important. On vit trop dans une société comme ça, un petit peu schizophrène, qui ne dit pas les choses, il faut avoir le courage de dire un jour aux gens, très discrètement et très gentiment, voilà ce que je pense. Et je suis sûr que ça lui rendra service. C'est pas facile à accepter pour ceux à qui vous le dites en général. Hein. Oui, mais bon, s'il est intelligent... Voilà, mademoiselle, sinon vous aviez, pensé, à autre vous aviez pensé à autre chose ? Ah, ben non. Parce que là, le conseil de lui dire, finalement, on ne voudrait pas non plus qu'elle se retrouve dans la rue. Elle doit pas être la seule à avoir ce problème. Oui, pourquoi vous ne faites pas une pétition avec les collaborateurs ? Je pense qu'à la limite, je ne vais pas le tenter toute seule. Je pense qu'on va essayer de signer quelque chose. Faites ça en groupe, oui. Il faut faire ça en groupe, collectivement et avec humour. Il n'y a pas de problème. Vous vous sentez mauvais, c'est pas grave. Tu crois qu'on a fait comment pour le doc, nous ? Comment ? Pareil. Je me lave très souvent, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais bon, sinon, c'est un bon chef de service. Pour ceux qui auraient eu des doutes. Hein. Ouais. Quand tu es précise. Hein. Ouais. Oui, sinon, c'est un bon chef de service. Oui, mais avec un masque comme à gaz, alors. Hein. Comme un chef de service, il y a des compétences, mais bon. Vous êtes dans quelle branche, pardon ? Je suis secrétaire commercial. Secrétaire commercial, et lui, donc, c'est le chef du service de secrétariat commercial. En quelque sorte. C'est pas dans les produits de beauté, non ? Non. Et quand vous dites qu'ils sont mauvais, pardonnez-moi, on va pas rentrer trop dans le détail, car on n'est pas loin de leur dire pas, mais est-ce que c'est par exemple c'est une mauvaise haleine, sont les pieds, sont les dessous de bras ? Les bras, global. Les pieds. C'est une totale, oui, d'accord. C'est indéterminable. Hein. Il a fait un package. Bon petit, c'est un bon petit cocktail. Il se gratte souvent ? Oui, tout le temps. C'est ce qu'elle avait demandé. Non, mais c'est parce qu'elle avait dit. Lui, il aime bien, les trucs un peu. Pour savoir. Il doit avoir des parasites. C'est pour savoir si vous devez avoir honte de vous gratter vous aussi. Voilà, peut-être que tous les gens pensent ça que. Hop. Enfin. Dès qu'il sent pas le pipi, c'est déjà ça. Hein. On vous fait nos amitiés. Merci. Et vous lui faites les nôtres. D'accord. Bye bye, au revoir. Au revoir. Salut. Bon courage surtout. Clémentine, une espèce de réflexion ? Non, surtout pas. Enfin, non. Deuxième appel, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Salut. Tamara. Bonsoir, Tamara. Tamara. Oui. D'où nous appelez-vous ? Ça se mange, de Paris. Non, c'est du tarama qui se mange. C'est de la dyslexie, c'est pas grave. De Paris. Quel âge avez-vous ? 35 ans. 35 ans. Oui. Tamara, 35 ans, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux enfants. Bonsoir à vous tous d'abord. Bonsoir à vous toutes seules. J'ai deux enfants en âge adolescent. 29 et 38. Et il y en a un aussi. Des deux. Enfin, j'ai de sérieux doutes. Je pense qu'il se masturbe. Oui. Et j'aimerais savoir quelle doit être ma réaction par rapport à ça. S'il a 51 ans, c'est plus embêtant. S'il est adolescent... 12 et 13 ans. 12 et 13 ans. Normal. Je crois que c'est un sujet très important, effectivement, où il y a une énorme culpabilité qui tourne autour de cette masturbation, et c'est bien dommage. Enfin, déjà, pas chez tout le monde. Tous les adolescents ne sont pas, ne sont pas culpabilisés. Mais une culpabilité globale. Ah, et la preuve, la maman. Je vais vous donner un conseil qui vraiment est des plus sains et des plus simples. Si j'ose dire, ça reste vraiment leur affaire. Et si vous voulez vraiment leur rendre service, ne vous occupez pas de cela. En revanche, c'est vrai que s'ils viennent se masturber dans la pièce commune, on peut poser une question. Tiens, regarde, papa. Mais, je crois qu'il est important... En classe, il ne faut pas qu'il le fasse en classe. Je vais simplement vous dire une chose. Il est important de respecter l'intimité, surtout à cet âge-là, l'intimité de ses enfants, car ils sont en train de devenir adultes. Il leur faut leur espace. Et donc, ce qui se passe dans leur chambre, c'est leur domaine privé et ça les regarde totalement. La masturbation est tout à fait physiologique à cet âge. C'est la réapparition, la résurgence de la masturbation infantile, car je vous rappelle que tous les petits bébés, dès l'âge de 9 mois, touchent leurs organes génitaux. Et éprouve du plaisir jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Il se tire sur l'élastique même. Voilà. Et puis ça disparaît au moment de la phase jusqu'à de latence. Jusqu'à 46 ans, Patrice, vous avez vos chances, c'est bon. Comment Mais non, ça réapparaît au moment de la puberté, au moment de la phase d'imprégnation hormonale qui est très forte. Oui, c'est ça. Vous écoutez. Je parle un peu plus fort. Alors, ouais, c'est bon. Et ce n'est qu'un passage, ce n'est pas une fin en soi, c'est tout à fait physiologique et normal. Et puis ça disparaît en principe au moment où les garçons et les filles ont une activité sexuelle régulière. Bien sûr. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, oui. Doc, c'est qu'il faut leur montrer leurs zizi, comme leur nez, leur bouche, leur machin, et
Et tout ça fait partie, quoi, très petit. Moi, j'ai trois fils, je leur dis bonjour, coucou. Et non, non, mais c'est vrai, ils ont des zizi tous les trois, c'est bah des garçons. Ce sont des garçons. Sont des garçons. Moi, j'ai pas de zizi, je suis une faille. Non, c'est vrai, quand ils voient moi, c'est ils comme ça qu'on reconnaît. Voilà. Et donc, et je leur montre, enfin, je veux dire, ça fait partie de tout le reste, quoi. Donc, c'est venu très absolument, tôt. Il est important de dire aux petits garçons pourquoi ils ont une verge et des testicules, ce à quoi ça sert. Et pourquoi ils ont un petit tuyau. Voilà, voilà, exactement. Bien sûr. Absolument. C'est... Ouais, c'est minime en tout cas. Donc non, c'est tout à fait normal. Pas de panique. Mais surtout pas. C'est que si ça devient comme Patrice que c'est embêtant. Mais là, vous risquez rien, ils ont 12 ans. Pas de danger. Je vais simplement dire une chose. Je vais simplement dire une chose à cette maman. Il est important qu'il fasse l'expérience de la vie et que le rôle des parents à ce moment-là, c'est un rôle d'accompagnement. De leur tenir la main jusqu'aux portes de l'âge adulte. Enfin, peut-être pas là, précisément, mais psychologiquement, évidemment. De manière générale. Évidemment. Et il ne faut surtout pas, en tout cas, enfin, moi je suis un garçon, donc c'est un garçon qui parle, il ne faut surtout pas l'embêter avec tu ne devrais pas, c'est pas bien, c'est vilain et tout ça. Comment ça plaît, vous êtes là, madame qui... Oui, je suis là, non, je suis entièrement d'accord, mais bon, je voulais avoir une confirmation parce que j'ai été un petit peu surprise. Parce que c'est dans leur chambre ou c'est... Ah oui, non, tout à fait, ça a été. Il faut frapper avant d'entrer. Comment? Il faut frapper avant d'entrer. Non, mais elle les a pas découvert. Oui, non, mais je l'ai pas dérangé du tout. Ah, je m'en suis aperçue le lendemain, en fait. Ah, c'est des soupçons. Et... Carte de France, quoi. Ben voilà, oui, carte c'est France. Ça. Je pense que tous les garçons sont passés par les cartes de France, hein. Avec même préfecture, sous-préfecture, région, tout, hein. Même Louis XV petit, on voit ça dans un film. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Voilà, et il faut rappeler aussi qu'il y a le phénomène des pollutions nocturnes chez les petits garçons qui sont des éjaculations nocturnes de rêve. En dehors de toute masturbation et qu'on a besoin aussi de les rassurer à ce niveau-là. C'est peut-être le rôle du papa, c'est peut-être plus facile. Bah oui, mais le papa n'est pas là. Et bah c'est le rôle de la maman quand il n'est pas là. Maman, bah oui. Aussi. Voilà. Maman, quelquefois, doit faire papa et maman. Voilà. Mais c'est ce que je fais, mais c'est pas toujours et évident. Et c'est pas fastoche. Ah bah non, c'est sûr que c'est pas facile. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et ne vous inquiétez pas pour ça. Ça ne rend aucun dommage aux oreilles, en tout cas, vous voyez. Comment, Patrice? Merci, mademoiselle, embrassez-les pour nous. Est-ce que je pourrais parler à Doc hors antenne, s'il vous plaît? Hors antenne, bien sûr. Oui, pas de problème. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, mademoiselle. Au revoir beaucoup. Au revoir. Merci non plus. On prend un autre appel? Non. Ah, la publicité, mesdames, messieurs, immédiatement. Et on se retrouve tout de suite après avec, évidemment, Clémentine, Patrice et le reste. A tout de suite, merci beaucoup. A tout de suite, merci beaucoup. Messieurs, nous voici de retour au sein de la Maison de la Radio avec tout ce public que vous voyez. Clémentine Sélarié qui est à côté de moi et qui, je le souhaite, va rester jusqu'au bout. Mais c'est une émission un peu particulière ce soir, Clémentine. Ah, oui. Il y aura quelques exploits physiques à faire probablement plus tard. Très physique. Donc, soyez. Mais je suis très physique. Donc soyez gentil de déjà rentrer dans le truc du physique. Le truc physique, oui, d'accord, voilà. Je rentre dans le truc physique. Ok. Oui. Y a pas de problème. Non, pas de problème. Je compte sur vous. Je vais dire un truc là que personne ne sait. Pendant la pub, en fait, nous, on a de la musique super géniale, canon, et c'est absolument génial. Hein, on fait une boum et toi. Patrice. On est nombreux. Alors, vous avez jusqu'à minuit ce soir. Chut, attention, c'est très important, attention, s'il vous plaît, merci. Jusqu'à minuit. Pour gagner un voyage autour du monde avec l'agence TMR. Vous pourrez parcourir 44 000 km en survolant terres et mers d'un bout à l'autre de la planète et durant 3 semaines en 11 escales, vous découvrirez 1. Le Sultanat d'Oman. Katmandou. Chiang Mai, Singapour. Ball Sydney. Non, pas Ball, Bali. Bali, ah oui, bah Bali. Oui, bah oui. Bali, Sydney, Auckland, Tahiti, l'île de Pâques, Mexico et Orlando. Ben voilà. Et vous bénéficierez d'excursions, de soirées spectacles et d'un hébergement dans les meilleurs hôtels. 36-15, côté, enfin, rubrique coucou, un tour du monde de 44 000 km en cadeau si vous arrivez, si vous êtes affreux. Non plus une affreux. Okay. Ah oui. Alors, il y a une association humanitaire qui s'appelle Coiffeurs sans frontières, qui a été fondée par des professionnels de la coiffure, dont Gilles Ménétré et Gérard Guidi, qui en partenariat avec Terre des Hommes a pour but de venir en aide aux milliers d'enfants abandonnés de Madagascar. Les salons pour enfants vert-tendre, c'est-à-dire ce sont des salons de coiffure, enfants marqués vert-tendre, participent à cette opération en prélevant 5 francs sur le prix de leur coupe en les déposant dans des tirelires inviolables. Donc il y a là vraiment la preuve qu'il y a 5 francs qui va dans la tirelire. On est sûr et la totalité des sommes recueillies sera intégralement reversée à Terre des Hommes afin de construire des centres d'hygiène pour ces milliers d'enfants abandonnés. Pour les dons et les renseignements, vous faites également 3615, code TF1, rubrique coucou. Et enfin, une dernière petite annonce, Patoche. Je vous parle quand même de la Fondation de France, vite fait. Ben, c'est celle-là que je voulais parce que c'est le 25e anniversaire de la Fondation de France et il y a une opération qui est destinée aux 18-25 ans qui s'appelle Bouge-toi et bouge les autres.
Alors, il faut avoir des initiatives pour que ça change un peu dans son quartier, dans sa rue. Dans son immeuble. Dans son immeuble, oui. Dans son appart. Sauf dans sa famille. Dans tout son environnement, sauf dans sa famille. Et si on fait un bon projet, c'est doté d'un prix de 10 000 francs. Alors, on peut déposer des projets jusqu'au 15 juillet. Il faut taper 3615 Fondation de France ou écrire à la Fondation de France « Bouge-toi, bouge les autres ». 40 avenue Auch, 75 008. On va regarder, voilà, si vous voulez bien, le 3615 Fondation de France, on l'a vu, je voudrais que nous regardions l'adresse de nouveau. Fondation de France, bouge-toi, bouge les autres, 40 avenue Auch, 75 008 à Paris. Et si vous avez un bon projet, que vous êtes jeune et que vous voulez que les choses changent dans votre quartier, vous pouvez en plus gagner 10 000 francs et que le projet après voit le jour, c'est ça ? Voit le jour, absolument. Formidable. Que pensez-vous de ce genre d'initiative ? Oui, très bien. Je ne pense que du bien de ce genre d'initiative. Patrice ? Parce que les gens se laissent un peu dans les choses conventionnelles et tout ça. Et là, c'est l'idée d'aller vers les autres. C'est bien. Il y a, vous savez ce qu'il y a quand c'est samedi, ce week-end, dimanche prochain. Le Grand Prix de France, c'est à Manicourt. À Manicourt. Et alors, d'après ce qu'on saurait, ça a été écrit dans un journal ce matin et ce serait confirmé, Nigel Mansell fera son tour en Formule 1. Et donc, si vous voulez évidemment aller voir ce Grand Prix en Formule 1, oui, bien sûr. Et si vous voulez voir ce Grand Prix, vous renseignez. Il y a le 3615 code, je crois, F1, ou sinon, vous prenez des places et il y a encore de la place à Manicourt, je crois. Puis il y a une course de Porsche en ouverture de Grand Prix. Oui, c'est ça, ouais. À 10h du matin. Vous y serez, vous ? Moi, je sais pas, oui, sûrement, ouais. Voilà. Vous viendrez, vous ? Bah alors, on va aller voir. C'est jolie course. S'il y en a également de celle, vous pensez. C'est ça. Merci, Patrice. Bien, nous enchaînons maintenant immédiatement avec, mesdames, messieurs. Apollo. Apollon ou Apollo ? Apollo. Apollo, c'est clair. Apollo. Que les choses soient claires. Et Apollo est l'homme, Clémentine. Je sais que vous aimez l'homme avec un grand H. En général, grand, homme, femme, etc. Vous aimez l'humain. Oui, l'être humain. Voilà, oui, voilà. Celui-ci est l'être humain le plus fort du monde. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, c'est intéressant. Vous voyez ? Mm-hmm. Voilà. L'homme le plus fort du monde, c'est Apollo. Il peut soulever jusqu'à 300 kilos. Si vous pensez que pour vous, pour lui, vous êtes une plume. Le voilà. Apollo. Oh là là. On s'est passé. Ouais, pas qu'il me cherche quand même, non plus. Non. Bonjour. Il a maigri un peu, non ? J'avais un costume comme ça, je sais plus où je l'ai mis. Je me demande s'il m'a pas collé, Apollo. Attention, oui. Apollo va nous faire des démonstrations toutes plus étonnantes les unes que les autres. Évidemment. Il tord l'acier, il mange le... C'est très sexy. Oui, c'est sexy. Ouais. Il y a des trous au pantalon, mais c'est sexy. Il y a un tatouage, là, un beau tatouage. Attention, parce que s'il se met en colère, on est mal. Il faut peut-être qu'on aille le rejoindre. Oui, on va aller le voir. Et Clémentine. Moi, je reste là, je regarde. Non. Il a besoin de vous. Attention, oui. Doucement. Bonjour, Apollo. Clémentine. Doucement. Et Patrice, vous pouvez y aller. Bonsoir. Alors, Apollo, l'homme le plus fort du monde. Apollo. Apollo fait partie, Patrice. Du cirque. Jean-Richard. Jean-Richard. Et Apollo va nous faire des démonstrations étonnantes ce soir. Oui, je tiens à dire que ça, c'est un petit aperçu seulement de ce qu'on peut voir chaque spectacle chez Penders, Jean-Richard, qui se trouve aujourd'hui à Chantilly. Ce soir. Et du vendredi à dimanche à Orléans. À Orléans. Penders, Penders, Jean-Richard. Le cirque. Oui, c'est sûr. Il y a un petit micro qui frise tout, là. Je ne sais pas où il est. Mais on va... Ah, c'est Patrice. Ah, ben oui, vous l'avez perdu. Ah. Et où est-ce que vous l'avez mis ? Où est-ce que vous l'avez mis ? Il est là. Ah bon ? Il est là. Là, il frise tout, quand même. Hop. Oh là là, ça... C'est le plus important du monde. Mais d'abord, je voudrais que tu examines que c'est un bar normal, qui n'est pas truqué, qui n'a pas de choses au milieu. C'est une barre d'acier, mesdames, messieurs. Vous pouvez la tordre ? Vous pouvez essayer de la tordre ? Vous êtes malade ? Clémentine ? Oui, ça va, ça va. Plastique, non. Non, pas plastique, pas plastique. Pas plastique. Pas plastique. Apollo ? Hop, acier. Clémentine, test ? Oui. Apollo, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais la mettre sur sa cuisse. Oui, et je vais la plier en deux. Sur votre cuisse ? Eh oui. Oh là là, mesdames, messieurs. Oh là là, plastique, il disait l'autre. Ouais, plastique, mais tu vas voir. Si vous le jette, vous allez voir, c'est pas du plastique, hein. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Apollo. Quelque chose. Un moment. Comme dans chaque spectacle chez Pender, j'amène cette barre après le plier chez quelqu'un du public, un monsieur qui essaie de la redresser. Ah, très bien. Vous voulez que je prie quelqu'un du public ? Non, tu peux essayer toi-même. Il est capable d'y arriver, Christophe.
Attends Patrice. Laisse tomber. Clémentine. Non, mais... C'est énervant. J'arrive pas. C'est un peu énervant. Autre chose, Apollo? Oui, j'avais pensé, comme j'ai fait dans le spectacle avec ma femme, soulever sous ma tête mademoiselle. Mais il y a un petit problème. Ah non, pour vous, je ne vous conseille pas. Ah, non, bien sûr. Non, il y a un petit problème. Elle porte des jupes. On risque des accidents techniques. D'accord. Ah, donc oui, il faudra un pantalon, bien sûr. Mais, comme j'ai fait dans... Oui, comme... Non, comme j'ai fait dans mon spectacle, les clous de mon numéro, je défie sportivement, bien entendu, 8 messieurs du public qui descend. Il doit tirer des cordes que j'ai sur le bras en essayant de m'ouvrir le bras. 8 messieurs. Oui. Tout de suite, 8 personnes. Allez-y, les gars. Restez assis, tout le monde. Merci beaucoup. On va prendre des hommes, des vrais. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus... 6, 7 et 8 avec Clémentine. Oh bah merci. Bah, c'est vrai qu'on pourrait avoir plusieurs jeunes filles pour faire office de garçon, mais bon. Peut-être qu'il peut vous. Comment on va faire ça, monsieur Apollo? Ils sont les 8 déjà? Eh ben 5 et 2, 7 et 1, 8. Nous sommes 8 en tout. Là nous sommes 8. Là nous sommes 6. Comptez-vous. Je viens avec vous. On va se mettre de l'autre côté. 4 et 4. 4 et 4. Ah, il nous en faut un avec nous. On va prendre un Apollo, vous permettez, excusez-moi, jeune homme. On va prendre ce baraquet. C'est formidable. C'est pour excitant. Compenser. Hein? Ah, c'est excitant votre émission. Oui, c'est formidable, vous allez voir. Non, mais c'est vrai, je suis très sincère. Mais c'est la première fois que vous tirez sur les bras de quelqu'un. Totalement. Très oui. fort. Sur les bras, oui. Oui. Bon. Alors, Clémentine, sérieusement. Alors, oui. Chacun tire le plus fort possible et Apollo résiste, là, c'est ça? Je vais derrière vous. Oui, juste là. Ah, faut tirer fort. Vous allez glisser avec vos petites. Mes petites mulettes. Faut donner un petit peu de corde à notre ami qui est ici. Bon. Alors, comment ça se joue, monsieur? Et les gars, on met la sauce, hein. C'est incroyable. Bon. On peut mettre la sauce, monsieur, on peut y aller. Chef Pender, je suis aidé, bien sûr, pour les présentateurs. Ici, je me débrouille. Alors, mais dites-moi, tirer... mesdames, messieurs, vous allez voir, attention. C'est bon, non, je peux vous donner un petit coup de main. Mesdames, messieurs, pour la première fois à la télévision, vous allez voir monsieur Apollo. Du cirque Pender. Du cirque, oui, bon, là, j'ai dit 12 fois, mais enfin, on peut le répéter une 14e. Du cirque Pender, qui va faire quelque chose de tout à fait épatant devant vous, c'est-à-dire que quatre monstres de force. Non, ça suffit. Quatre monstres mais de force. Mais ça suffit, monsieur de Chavannes, je ne suis pas d'accord. Sont ici pour tirer fort d'un côté, alors que quatre autres hommes très forts également vont tirer de l'autre côté. Et monsieur Apollo va résister. T. Merci, monsieur. Alors, vous allez tirer quand je compte 3, d'accord? Il ne faut pas aller mou, en arrière. Prenez du mou, les gars. Prenez du mou, les gars. Il ne faut pas aller en arrière. Non, pas en arrière. Par là, pas en arrière. Hein. Plutôt vers l'avant. Ok. Alors, 1, 2, 3. Allez-y. Allez, trop fort. Comme on glisse. Allez, trop fort. On glisse. Ok, stop. Allez, il y a un problème de... Allez, on glisse. Oui, il y a un problème là de glissage. Ça glisse un peu. Si on n'avait pas glissé, peut-être qu'on l'aurait eu. Ouais, messieurs, quelques applaudissements quand même, parce que c'est très exceptionnel. Merci Apollo. Apollo. Merci Apollo. Pété de doigts. Merci. Il a formidable. Fait Apollo, oui. Exceptionnel. C'est un peu glissé, mais enfin, je ne crois pas qu'on l'aurait eu, Patrice. Vous savez, je vous sens très optimiste sur ce coup-là. Comment? Je ne crois pas qu'on l'aurait eu. Ça n'aurait pas glissé. Ah, il connaît, il se passait pas. Ça n'aurait pas glissé. Chut. Je me demande. Alors, Patrice, où en sommes-nous maintenant? Nous sommes à l'actualité. Si ce n'est à l'actualité de Clémentine Sélarié. Voilà. C'est-à-dire aux braqueuses. Clémentine. Oui. Les braqueuses. Oui, les braqueuses, oui. Vous voulez avoir la gentillesse de nous parler? Ah, je ne suis pas dans le bon endroit, attention. Stop, voilà, très bien. Ma coiffure. Vous avez donc jusqu'à minuit pour gagner un voyage. Non, c'est pas la bonne fiche. Pour aller voir les braqueuses? Non. Alors, les braqueuses, l'histoire de ça. Ça sort mercredi. Voilà. En fait, certains peuvent le voir en pu, tout ça, à la fête du cinéma, parce que c'est sorti un petit peu. Pendant la fête du cinéma. Ça, c'est bien ça pour continue la fête du cinéma ou pas? Oui, c'est aujourd'hui. Voilà. Non, mais ça a commencé hier. Ça a commencé hier aujourd'hui. Et on peut le voir en ce moment et tout ça, mais ça sort en vrai, mercredi. Et c'est l'histoire de quatre bonnes femmes comme vous, les filles, des gonzesses qui rament et tout ça.
et puis qui un jour se disent tiens, bon, on va arrondir les fins de mois en braquant une petite. Enfin, c'est quatre amis d'enfance qui végétouillent un petit peu, c'est ça. Hein, c'est ça. Hein. Oui, qui végétouillent, oui. Voilà. Oui, c'est ça, mais c'est. On des peut copines. Dire un petit peu qui sont les quatre filles. Ah oui, Catherine Jacob. Ça se passe dans le midi déjà. Oui, à Montélimar, on a tourné ça. C'est Catherine Jacob, Nanou Garcia, Alexandra Cazan, Annie Girardot aussi qui fait une participation. Chut. Et voilà quoi. Ça vous intéresse pas ou quoi Si, 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 non, Clémentine. Non, je blague. Quel est votre rôle, s'il vous plaît, Clémentine? Quel personnage, vous Une femme extraordinaire, d'une beauté rare, une espèce de. Pourquoi vous riez? Quelle horreur! Il rigole! Très intelligente. Très intelligente et merveilleuse, et tout le monde la veut, tous les hommes et tout ça. Non, non, je blague. C'est une pauvre femme qui vient de se faire abandonner par son mari, militaire en plus de surcroît, qui a trois filles. Donc trois enfants. Comme il y a un militaire là-bas? Sûrement, oui. Sans doute. Enfin non, bref, et donc elle va chez une copine qui s'appelle Catherine Jacob, qui est institutrice, qui est une femme extraordinaire, un peu mal baisée, on peut dire, un peu comme ça. Non mais elle est géniale, Catherine là-dedans, elle est fantastique. Et puis en fait, elle va chez elle, et puis plein d'autres copines vont chez Catherine parce qu'elles sont sans abri, elles ont plus rien, elles ont des galères d'argent, enfin ça va pas du tout quoi. Donc elle se retrouve à quatre là, avec une son copain, l'autre, enfin bref, c'est tout un bordel. Enfin, elles se retrouvent toutes dans la maison de Catherine Jacob justement. Voilà, voilà. Et là, elle décide tout d'un coup de. C'est très immoral, hein. C'est un film. C'est une comédie. Ouais. C'est une comédie, oui, oui. Ça c'est pratique, les comédies, on met des trucs absolument immondes. Voilà, c'est ça. Non, ouais. Non, mais pas immondes, mais un peu, pas du tout immoral. Voilà. Ou et donc, oui, bah, au lieu d'aller faire d'autres trucs, je sais pas moi, les femmes elles ont d'autres moyens d'avoir de l'argent, et ben elles finalement c'est un moyen très honnête. Ben, elles prennent les moyens des garçons qui sont dans la même situation et qui franchissent le pas, c'est-à-dire voilà. Qu'elles font des... En fait c'est comme disait Nanou l'autre jour, c'est un peu comme des hommes, et au lieu d'avoir donné ça à des hommes, Jean-Paul Salomé le réalisateur a donné ça à des femmes, c'est une bonne idée, ça change un c'est peu. C'est ce que je viens de dire. Voilà, non mais pardon. Non mais il n'y a pas de souci. Non, j'insistais parce que c'est assez rare d'avoir ce genre de rôle pour des femmes en France. En général c'est oui, soit c'est des plutôt, bourgeois, oui. Soit des, y a des femmes, mecs. Des épouses, des machins. Alors, et les beaux rôles vont, voilà. Quand on vous a proposé le rôle, est-ce qu'on vous a donné le choix entre les quatre, ou est-ce qu'on vous a dit tiens Clémentine, on voudrait que tu fasses ça? Je voulais un peu l'autre, celle qui sortait de tôle. Oui, bien sûr, évidemment. Mais c'était d'autres, alors ils voulaient l'autre. Moi ils voulaient faire la mère de famille complètement déglinguée qui avait trois filles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit au cinéma, c'est sympa. Oui, enfin, éventuellement, vous auriez bien renaudé pour avoir l'autre rôle. Non, mais mon image change, oui, non, mais ça va, là, je me mange. Avec tout ça. Qu'est-ce qui vous a plu dans la comédie quand vous avez lu le scénario? Qu'est-ce qui vous a fait dire, tiens, je vais faire? Eh bien, que c'est en vrai, que c'est un truc comme en vrai. C'est-à-dire que ça peut vraiment arriver à des femmes, et puis qu'on a tourné le film comme ça. C'est-à-dire que c'est très réaliste, quoi. On n'a pas fait les actrices qui un petit peu s'arrangent comme ça. On n'est pas du tout arrangés. Enfin, on est un peu belles, les garçons, vous inquiétez pas. Mais je veux dire, on n'est pas complètement, voilà. Et donc, c'était vrai, c'était un conte de fées qui arrive à des femmes qui sont très, très réelles, comme plein de femmes. Comédie de garçon au féminin, c'est ça? Voilà. Oui, oh, quel beau slogan. Ouais, c'est de garçon au féminin, ouais. Allez-y vite, 14h dans les salles, très prochainement. Patrice? Ça veut dire quoi, justement, que la frontière entre l'égalité et puis l'immoralité, elle est très ténue? Et que tout le monde, on pourrait tomber de l'autre côté, quoi, si on peut prendre quelques galères? Bah, moi, ça vous est arrivé, non, d'avoir envie de voler ou des trucs ouais, comme ça, non? D'avoir envie, galère oui, d'argent, oui, d'avoir envie. Et vous ne l'avez pas fait? Non. Patrice, je sais pas. Non, pas encore. Les lunettes, peut-être, non? Moi, je l'ai fait non, un peu. Parce qu'il soit à ma vue, donc. Je l'ai fait un petit peu, j'avoue. Ah bon. Et en fait, une fois, je voulais du maquillage parce qu'en général, les filles, elles adorent les maquillages. Moi, j'adore le maquillage, j'avais prise unique. Et alors, un jour, j'avais été un gros parapluie. Non, je vous raconte une petite. Non, mais bon, vous allez voir. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas le faire. Mais non, bon, il ne faut pas le faire. Non, il ne faut pas le faire. Bah non, faut pas alors, le faire. J'avais un gros parapluie. Ça, c'est un truc que je vous donne. Mais j'avais un gros parapluie. Non. Oh, mais les prises uniques, c'est pas grave. Mais arrêtez de donner la marque en plus. Mais deux fois. Les grandes surfaces. Bah oui, oui, bah oui. Bon, j'avais un parapluie, le gros parapluie, tu sais, le truc. Oui, mais enfin, c'était il y a 25 ans, oui, voilà, mais le système de sécurité. Oui, ça va, 25 ans, je vous en prie. 42 ans. J'ai à peine 30 ans, Christophe, souvenez-vous. Bon. Et alors donc, je voulais des crayons, des rouges à lèvres, des machins, je les mettais tous comme ça, c'est joli, pop, l'air de rien, comme ça. Et en fait, quand je suis sortie, il pleuvait, puis j'ai oublié que j'avais piqué mes trucs, et la fille, comme ça, oh, j'ai ouvert mon parapluie, atroce. Oh, tout est tombé, oh là là, quelle horreur, c'était abominable. Qui m'a mis ça là? Mais vous êtes fait attraper ou non, moi, non, pas du tout. J'ai couru comme une folle, j'ai un peu ramassé quand même des crayons. C'est ça, histoire de pas tout laisser sur toi. Oui. Eh ben dis donc, c'est quand pas on joli, est fauché, hein. C'est pas grave. Oui, non, mais bon, c'est exceptionnellement quand vraiment ça va pas. Après, on redonne l'argent, de toute façon. C'est... Patrice? C'est vrai. Si on veut comme ça piquer, merci, faut... On va pas faire non plus l'apologie du vol. Mais ça n'engage que moi, Christophe. Oui, non, mais je sais pas. Je suis pas l'apologie. Ah ben, voilà, demandez des conseils à Bernard Willis. Que Bernard, ça peut vous en... C'est un policier. C'est un policier. C'est un magicien. Magicien. Ah, bah oui, c'est ça. Pareil. Lui, savoir en mettre de côté dans les poches, nanana, il sait le faire. Ah non, génial, magicien. Très fort, très très fort. On rappelle quand même que ça s'appelle Les Braqueuses, même si ça sort mercredi à 14h et que vous pouvez encore le voir. Vous pouvez déjà le voir, plutôt, aujourd'hui, dans la fête du cinéma. Faisant partie de la fête du cinéma, grâce à la fête du cinéma, avec un billet plein pot, on arrive à voir tous les films dans la journée si on a le temps. Premier film, hein? Oui, it's a first film. First film. A first movie?
Oui, oui. Premier film. Non, mais sérieux, je ne fais pas du tout l'apologie du vol. Hein. Bah, pas du non, tout. Non, hein. C'est qu'il y a des galères, il y a des moments où c'est très dur. Et puis, quelquefois, bon, on a des petites faiblesses. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est clair. C'est, ce que je dire. C'est clair. Du vol, allez, allez-y, Bernard. On y va. Un petit jeu pour Clémentine. Ah oui, ça va lui faire plaisir. Tout le monde se lève. Vous venez par ici. On vient avec vous ? Oui, oui, tout à fait. Je peux rester près de Clémentine ? Bien sûr. On va commencer par... Moi aussi, j'aurais dû mettre ma petite robe de printemps, hein, c'est idiot. Oh, mais les gouttes ! C'est bien. Voilà. Amenez le radiateur, s'il vous plaît. Voilà. Par ici. Ligotez-la bien. Oui. Il y a un micro qui fristouille, Patrice. Ça fait le deuxième micro que vous brisez. Voilà. Christophe, se met de quel côté ? Je suis attaché à Clémentine. Voilà. Donc, on va... Je vous en prie, Christophe. Bon, je dis rien, c'est du on va faire comme ceci. Ça n'est qu'un jeu. Laissez un peu de mou, laissez un peu de mou quand même. De l'autre côté, on va passer. On peut chanter pendant que ça se voilà, oui, vous blanc, chantez. On peut tout faire, on peut tout faire. Voilà. Allez-y, allez-y. Non, passe. Pardon. La 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 la. Ici, voilà. Maintenant, Patrice de l'autre côté. Voilà. Et vous allez être attachés tous les deux ? Voilà. Ah non, pas Patrice aussi ! Ah bah si, ah bah si. C'est comme ça, c'est à trois maintenant. Mais pas Patrice attaché à Clémentine, à vous ! Voilà. Vous inquiétez, on est de dos, caméra, et c'est Clémentine qui doit se libérer. C'est ce qu'il faut faire, quand même. Allez, mec. Clémentine doit se libérer. Se libérer sans couper la corde et sans défaire les nœuds. C'est impossible. Ah si, peut-être. Mais non, c'est impossible. Voilà, ça va nous faire faire des trucs incroyables, ça. De gymnastique. Faudra que je passe là-dedans. Voilà. Allez-y. Peut-être que je passe là-dedans. Allez-y. Oh, ça sera intelligent. Oh. C'est bon, c'est bon, on y est. C'est bon, c'est bon, ça y est. Hop. Hop. Hop, 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 c'est, hop, hop, hop. C'est pour ça que c'est pas possible. Mais oui. Patrice, bah, Patrice, ça peut essayer. Patrice, essayez. Attendez. Je vous tiens le micro. Oui, 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 donnez-lui son micro. Voilà. C'est un truc bien. Il en profite, hein. Oui. Ça va pas ou quoi? Allez, à Clémentine maintenant. Bon. Oh, je me demande non, ce qu'elle va pouvoir faire pour s'en sortir. Ah là, je sais même pas si je vais arriver à vous montrer après, parce qu'il y a des nœuds partout là. Non, non, moi je ne peux pas participer à un jeu comme ça, c'est complètement sexuel et sadomasochiste. Oui, ça fait un drôle de Bernard, Bernard. Alors, je ne veux pas. On est limite mal à l'aise. En fait, mon image, je ne peux pas. En fait, c'est très simple, il suffit de passer ici la corde dans le bracelet. Ah oui, oh. Vous passez votre main ici. On tire bien et ça libère. Oh, yeah, yeah. Oh, c'est super. Allez-y, Patrice. Non, 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 Patrice, Bernard. Patrice va le faire. Je reprends le micro, peut-être. Non, non, Patrice, oui. Prenez le micro. Il y a juste pour un petit quart d'heure. C'est facile. Oui, un petit quart d'heure. Je fais un tour de carte et tout ça. Non. Allez-y, Patrice, c'est bon, ça y est, vous y êtes là. Ah là, il y a 36 nœuds. Vous y êtes, Patrice. Oui, on y est là. Allez, est Bernard, peut-être autre chose, pense-toi. Non, mais je vous faire un tour. Allez-y. Ne me laissez pas avec lui. Bah non, mais enfin, vous allez vous en sortir. Allez-y, Bernard, allez-y. Alors. Bien, oui, on a réussi. C'est pas grave, on va laisser se débrouiller. On va la retrouver d'ici quelques instants, certainement. Je voudrais simplement vous redonner la réponse. Ridicule. Vous redonner la réponse à l'énigme. L'énigme était la suivante, c'était pas une énigme, c'était une charade. Mon premier, Tanflé, c'est mal assuré. Mon deuxième... Mon premier, soit libre, soit cuit. N'est pas... Si mon premier n'est pas libre, il est cuit. Il est cuit. Et mon deuxième n'est ni le mien, ni le tien, ni le sien, ni le nôtre, et il n'est même pas à vous. 36, 68, etc., etc. Bonsoir, votre proposition, allô. Bonsoir Christophe, c'est Gemma d'Autun. Sheila. Non, Gemma. Gela. Gena. Gena, deuxième A, Gena. Gena comme Gena de Rouenet. Ah, voilà. Gena. Oui, non, c'est Gena. Ah, pardon. Ok, Gemma. Gemma, G-E-2-M-A. Qu'est-ce que vous... Gemma quoi ? Qu'est-ce que vous avez ? Alors, je vais vous donner l'énigme. Mais non, qui êtes-vous ? Gemma, je suis d'Autun, là. De ? D'Autun. On prend pas, je m'excuse, d'Autun, on prend pas. On prend tout sauf Autun ce soir, je m'excuse. Ah bon ? au revoir, Sarah. Alors, non, non, Gebra, on vous écoute. Mais je vous aime bien quand même. Mais non, on vous écoute, Gebra, je plaisantais, oui. Allez-y. D'accord, alors c'est les uns et les autres. Alors, allons-y, la proposition de Jota, c'est... Mon premier n'est pas libre, s'il n'est pas libre, il est cuit. Oui. C'est les uns. Les uns. Les, oui, les uns, oui, bien sûr. Oui. Non, je lui dis, non, les. Et les. Mon deuxième n'est ni le mien, ni le tien, ni le sien, ni le nôtre, il n'est même pas à vous. Le un. Le un, donc ça fait les uns et le un. Non, attendez, voir. Les uns, ça fait. C'est les uns. Les uns et les autres. Bien tenté, oui. Gepara, mais désolé. C'est désolé, méchant, ça n'est pas cela. C'est pas ça. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Ouais. En tout cas, je sais pas. Merci beaucoup de cette proposition.
On vous fait nos amitiés, on vous embrasse bien fort, soyez-en certaines. Oui, merci beaucoup. On va prendre une autre position. Proposition. Deuxième appel. Proposition. Deuxième appel, allons-y. Bonsoir, votre vrai nom. Bonsoir. Chut. Bonsoir, votre prénom. Coucou Christophe, c'est Carole. C'est votre prénom, coucou Christophe. Coucou Christophe, non. Ah, bonsoir Carole. D'où nous appelez-vous, Carole? J'appelle de Nice. De Nîmes? De Nice. Ah, de Lille. Oh, je sais pas, faut que je... Faut ça rend pas sourd du tout. Faut que je demande à Doc. Ouais. On vous écoute, Jetta. Non, du tout. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Brigitte. Carole. Carole. Et alors, Christophe? Allons-y. Coucou, Carole. Coucou, Christophe. Alors, quelle est votre proposition? Eh bien, ma proposition... Pas facile à dire. Et non. Et non, ça, je sais pas. C'est Thriller de Michael Jackson. Pardon? Pardon, qu'avez-vous dit? C'est Thriller. Thriller. C'est une chanson qui commence pas comme ça. Alors, mon premier n'est pas libre, il est cuit. Il est pris. 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 Il est pris. Ok. Bah attends, on vérifie d'abord? On va vérifier. On vous bougez pas. Vous bougez pas, Jeanne Jocelyne. Vous ne bougez pas. Carole. On vérifie immédiatement, mesdames, messieurs, avec quelques petits camarades et Charlie Nestor. C'est parti. Allez. I almost dropped your heart. You tried to scream, but everything is on before you make it. You start to feel how I love you right between the eyes. You're paralyzed, come in. Life inside a killer thriller Messieurs, applaudissements pour Charlie, la dotation et le résultat des courses après la publicité avec notre camarade Carole qui doit être avec nous et qu'on retrouve tout de suite après la pub avec Clémentine Sellard et mesdames, messieurs, Patrice et le tout team. À tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour dans cette émission de Coucou, c'est nous en direct lundi soir pour cette dernière minute. Il nous reste exactement 10 minutes. Nous allons prendre immédiatement. Vous commencez déjà à vous concentrer parce que oui, les épreuves physiques vont arriver d'ici quelques instants. Hein. Vous n'avez pas le vertige? Non. Bien, c'est bien. On va prendre donc Carole qui est toujours ligne, ici. Oui. Carole. Oui, Christophe, je suis toujours là. Alors, on va quand même essayer de reprendre. Mon premier n'est pas libre, il est cuit. Il est free. Free. Free, libre en anglais et free, cuit. L'heure. Voilà, et mon deuxième n'est ni le mien ni le là, c'est parce que c'est le. C'est le leurre. Le leurre. Le leurre, oui. Oui, oui, bien sûr. Vous avez donc gagné, Carole, une boîte de préservatifs, bien évidemment. Bien sûr. Plus un ordinateur Elonex, le PC425XM avec écran Super VGA couleur, 4 mégaoctets de mémoire vive, DOS. Oh là là. Et Windows. Vous faites des ordinateurs? Oui, oui. DOS et Windows. C'est vrai? Préinstallé. Oui, bien sûr. Ah bah dites donc. Et pour vous détendre, une fois que vous serez sorti de l'ordinateur, vous pourrez profiter d'un séjour d'une semaine pour deux personnes en Tunisie avec Bleu Ciel. Oh là. Et après un séjour à Nabeul, vous partirez en 4x4 pour une grande aventure qui vous conduira sur les sites historiques de Monastir, Sfax et sa cité troglodyte, et terminerez votre séjour sur les célèbres et néanmoins fameuses ruines de Carthage. Super.
Christophe. C'est avec plaisir, Carole. Vous avez bien fait de nous appeler. Hop, 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 hop. Vous avez appelé par téléphone ou par Minitel? Oui, j'ai appelé par téléphone. Par téléphone. Permettez-moi, Christophe, je voudrais saluer Clémentine Salarié parce que je la trouve vraiment géniale. Oh. Et je voulais lui faire un gros bisou. Merci, merci, Carole. Vous voulez que je le fasse pour vous? Vous voulez que je le fasse pour vous? Allez, dis oui. Oui, bien sûr. Ah, comme ça, nous. Mais maintenant, on m'embrasse sur la bouche, maintenant. Comment? Maintenant, tout le monde m'embrasse sur la bouche, maintenant. Oui, bah, c'est vrai. Bah, c'est vrai depuis Christophe, cette soirée. Évidemment, je vous fais une grosse bise. Je ne serais pas permis. Non, mais non, moi aussi, je vous embrasse bien fort. Je blague. Je salue le public aussi. Bien sûr, tout le monde. Oui, bien sûr. Attention, mesdames, messieurs, il nous reste 8 minutes. Et maintenant, nous allons partir à l'extérieur. Patrice, quelques secondes. Oui. Avant de partir à l'extérieur, pardon. On va offrir à Clémentine cette double cassette de Bernard Bellis, La magie par les cartes, le monde des tricheurs. Apprenez tout le secret des cartes. Voici aux éditions Pickwick la double cassette, la voilà, de Bernard Bellis, que j'offre donc à Clémentine. Clémentine, si elle survit à l'épreuve que nous allons faire maintenant. Oui, hein? Et nous allons y aller tout de suite. On y va tout de suite, si tu te rappelles, j'enlève mes lunettes. Voilà, oui. Parce qu'elles me serviront à rien. Enlevez les choses qui peuvent traîner éventuellement. Oui, j'ai pris un caleçon. Ah, mais très bien. Mais il faudrait le mettre. Ah, oui, je vais le mettre. Mais pas maintenant. Ah, non, non, pas maintenant. Non, pas, non. Si ah, vous non, allez le mettre. Pas de... on va passer en dessous, vous allez le mettre là en cachette. Oui, 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 et je okay, c'est parti. Minutes. On revient d'ici quelques secondes, mesdames, messieurs. Voilà, je quelques secondes, nous revenons immédiatement. C'est parti. On va rejoindre Sam et Jam. On va rejoindre qui, Patrice? Sam et Jam. Sam et Jam. Et attendez, mais attendez, Clémentine va se mettre dans un coin ici. Mettez-vous oui, là. Voilà, ne regardez pas, s'il vous plaît. Ne regardez pas. Changez-vous et venez. Je me change. Regarde pas. Venez le plus vite possible après. Cache. Suffit. Non, 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 dis donc. Non, non, sérieusement. Mais je me change pas, je mets un caleçon. Ah, oh, bah oui, ça donc. Va. Et vous avez vu mon tatouage? Oui, bah j'ai vu votre tatouage. Non, mais en vrai, hein. Celui-ci? Pas celui-là, pas celui-là, ah, bon. L'autre en bas. Ah, vrai? En bas, regardez, c'est Tata qui me l'a fait, regardez. Oh, c'est un gros plan sur mon tatouage. On va voir la lumière, là, on ne voit pas du tout. Trapèze, allons-y, avez... allons-y. Regardez, allez, venez rejoindre Sam et Jam. Allez, venez, hop. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, non, mais moi, je ne vais pas là, moi. Ah si, il faut y aller. Mais non, mais je vais pas là, c'est moi. Mentir. Bah non, moi non plus, j'y vais pas. Allez, allez-y. Moi, je retourne. Bonjour, monsieur. Moi, je retourne là-bas, hein. Non, non, vous avez vu la taille du machin? Il est malin, celui-là. Alors. Patrice, de quoi s'agit-il? Ça traquenard, ouais. Votre émission. Jam en haut. Venez, venez, venez. Venez, venez. Je peux passer là? Ouais, ouais, c'est ici. Bonjour, bonjour. Bonjour. De quoi s'agit-il? Bonjour, Sam. Du trapèze volant. Clémentine. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. De quoi s'agit-il? Mettez-vous là, Patrice. Alors, vous plaît. Ils vont effectuer des figures de trapèze volant. Oh là là! Avec passage de la planche de départ au porteur. Oh là là! Et retour sur la planche de départ. Alors c'est des passages tout simples, chose. Vous allez faire des passages, mais... Oh non. Si, 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 vous allez faire des passages, mais dans des positions les plus simples possibles. Mais attendez, on va pas monter, ils sont... c'est à combien là c'est... Regardez ce qu'il va faire. C'est à combien c'est une structure de 10 mètres de haut et elle est à... La planche mètres, de départ hein. Est à 8 mètres de haut. Mais moi j'en ai presque jamais fait, presque. Mais moi j'en ai jamais fait, mais c'est tout. C'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Vous n'avez pas été formé vous au centre des arcs du cirque de Chalon-sur-Saône? Non, oui, j'étais avec un monsieur qui s'appelle Pierre Bergam. Ah. J'étais avec aussi enfin, des gens extraordinaires, rue regardez, près des Halles. Regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait. Regardez, regardez. Mais bon, ouais. Ça fait longtemps, enfin, ça fait un an. Ah là. Ah, il est reparti. Il est reparti. Alors eux, allez, c'est vite, eux, ils ont des difficultés de retourner. Ils ont été formés par le Centre National des Arts. Allez, Clémentine, Clémentine d'abord. Clémentine, allez en premier. Il nous reste 6 minutes. 6 minutes, il nous reste. Clémentine. Ça va passer. En 6 minutes. En 6 minutes, on va passer. On va avoir le temps. Nous, on met les ceintures. Oh là là, mais moi j'ai même... Non, non, c'était pas la vraie ceinture que vous aviez. Non, c'était le micro. Oh là 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 là. Je peux pas garder la veste? Vaut mieux l'enlever, peut-être. Si, si. Non, 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 vaut mieux l'enlever. Vaut mieux l'enlever, vaut mieux l'enlever. Ah bon, tu veux dire qu'il faut que je lâche le truc? Simplement, je vais... Mais ils vont t'expliquer, arriver là-haut, tu vas voir. Non, non, c'est hyper simple. Ils sont aux trapèzes. Tu passes côté intérieur. À côté de Royon, à Saint-Georges-de-Boudonne, et cette terre anglaise à côté de Biarritz. Voilà, exactement. Au mois d'août. Voilà. J'ai ma machine, les mains. Non, non, arrivez là-haut. Vite, vite, il nous reste 5 minutes. On va pas avoir le temps. Passage. Double salto. Où est-ce que vous vous prenez? Oh là là. Avec retour. Tiens. Waouh. Vous êtes tombé. Alors très important, il faut savoir retomber au filet. Mais vous serez sur le dos. Ouais, sur le dos, toujours. Et vous serez longé de toute façon avec les ceintures de sécurité, il n'y a aucun problème. Clémentine, quand vous voulez, il nous reste 3 minutes. Attention à Clémentine. Clémentine. On va pas avoir le temps, hein. Oh la vache, hein. Avec le micro? Oui, oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il est là, tu le micro. Tu viens ici, hein. Passe ici. En plus, calmement. Calmement. Voilà. Alors, tiens, ouais, on y va, on y okay. va. Ouais. On peut enchaîner les montées. Déjà, je peux monter. Calmement. C'est pas très serré, ça. Non, non, mais ça va. Je vais faire pipi. Non. Vous allez voir là-haut. Non. J'ai envie de faire. Allez, Clémentine. Peut-être deuxième main. Ouais. Mais c'est flippant. Allez-y, montez, ouais. Vous allez voir, c'est très flippant. Mais si elle veut pas, d'accord. Clémentine. Comment ça, si elle veut pas, faut pas qu'elle y arrive. Ah,
On joue ou pas? Par l'intérieur. Non, 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 c'est bon. Ouais. Côté filet, toujours. Je sais un peu comment il faut que je me balance. D'accord. Je sais un peu. Okay. Un tout petit peu. Bah, tu vas te balancer. On sert. Et c'est tout, hein. Et après, je me lâche dans le filet. Allez, Clémentine, on est où, là? Non, tu la laisses là. Allez, Clémentine. Allez. Tu attrapes avec tes mains et tu ne bouges pas. On attend 2 minutes. D'accord. Pour aller au filet, on te donnera le hop. Ridicule. Ne bouge plus, hein. Ouais. Ridicule. Ok, maintenant, moi, je te tiens. Mets ta deuxième main. Deuxième main. T'es prête? T'es gaffe. Lise tes jambes. Oui, je suis prête. Lise tes jambes. Oui. Allez, on y va. Oui. Ouh. Oh là 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 là. Alors, fais bien. Ah ouais. Merci. Ouais, si, je vais faire. Chris, il y a de... Y a... Allez. Wouah. Ouais, yeah. Dis donc. Faut descendre, Clémentine. Tu me dis quand je saute, hein. Je vais dire quoi? Ah mais moi j'aime pas ça du tout, du tout. Wouah. Oh, génial. Non, moi j'aime pas, j'aime pas. Hein. Bah oui mais j'aime pas moi. Bah ça craint rien, je sais bien mais j'aime pas quand même. Ouais. Oh c'était le pied putain. Ok, salut, bonjour. Bonjour, ça va? Christophe, ça va? Ouais. Christophe, j'aime pas ça du tout, moi. Ça va, ça craint rien. Mais on aime bien après. Je viens où, moi? En plus, j'ai des chaussures, faut que j'enlève mes pompes, non? Ça va, ça passe. Ça va? Avant, tu les jettes au filet, si tu veux. Ok. Tu veux passer par là? Je sais pas par où il faut passer. C'était par là, mais c'est pas grave, c'est pareil. C'est parfait. Ok. Impeccable. Ok, on est où, là? Tu me donnes ta deuxième main ici. Voilà. Impeccable, maintenant on va t'attacher. Bah voilà, mais j'aime pas ça du tout, moi. Alors, on est très très haut, hein? Oui. Cool, alors cool. Super cool. Super cool. Super cool. Donc de toute façon, si on tombe, il y a un filet. Ouais. Alors, on oui, en plus, il y a les longs. Enfin, c'est quand même très bon. Regardez la chute de Clémentine, c'est l'arrière, mais monsieur. Trois enfants, c'est oh là là, moi, j'aime pas ça du tout, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ridicule. Patrice, c'est très malin. Clémentine, c'est comment? C'est super génial. Vite, vite, il nous reste 2 minutes. On va peut-être donner 1 minute supplémentaire. Christophe, il faut que tu obéisses bien, bien au monsieur. Ah, mais je vais tout obéir, moi. Moi, je vais faire juste une petite balance et puis je descends. De toute façon, on est à la fin de l'émission, donc. Voyez? Doucement, hein. C'est idiot. Elle est légèrement crispée, maman. Vite, 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 faut y aller. Tu gardes tes jambes au milieu de la planche. Ok. Ok, tu ne fais plus rien. Tu attrapes ta barre avec ta main droite et tu ne fais plus rien. Tu m'attends, d'accord? Ok. Ok. Ne bouge plus. Ok. Allez, Christophe. Ok, maintenant, moi, je te tiens bien. Tu mets ta deuxième main, vas-y. Ok. Mets ta deuxième main sur là-bas. La barre. Oui, sur la barre. On te tient. Oui, oui, ça joue, ça joue, ça joue. Okay. C'est parti. Maintenant, plie tes jambes. Ouais. Assieds-toi, assieds-toi encore plus. Oh putain. Oh la vache, le truc de dingue. Oh là 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 là. Ouais, pas mal. Génial, c'est géant. Bon allez, moi je descends. C'est bon, là. Non. Là, je vais descendre. Le but de ouais. Je lâche. Ouais. Je lâche quand? Je lâche quand? Je dis hop. Hop. Ok. C'est une autre sensation. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Quelques applaudissements encore pour ces garçons. Mesdames, messieurs, je voudrais qu'on me détache. Patrice, est-ce qu'il a le temps de le faire ou est-ce qu'on doit rendre l'antenne à partir de mercredi? Comment je fais? Je descends? Tatouage. Oh là, truc de dingue. Comment ça? Comment ça? Oh, c'est super canon, il faut comme ça. En faire, je suis là pour la ligne. Puis, en avant ou sur le côté? Yes. Pardon. Ok, 1 minute. Clémentine, venez ici. Tout ça est absolument ridicule, ça fout la trouille, ça sert à rien. Voilà, bravo en tout cas. Quelques applaudissements pour Clémentine, je suis lâché. Je peux aller à l'intérieur pour dire au revoir, vite. Oui. On est parti. Clémentine, hop, allons-y. Allons-y, merci beaucoup, merci pour elle. Et bravo, quelques applaudissements, mesdames, messieurs, pour Clémentine Sellarié, qui va rentrer sur ce plateau. Alors que nous nous quittons tout doucement. Bien voilà, applaudissements s'il vous plaît pour cet artiste complet. Et on finit avec Charlie et Lulu. Avec Charlie, s'il vous plaît. Charlie et ses petits camarades. Patrice, venez vite nous rejoindre à les braqueuses à partir de mercredi 14h, comme on vous l'a dit déjà tout à l'heure. La vache. Charlie, comme vous voulez, c'est parti. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Soyez prudents et soyez très heureux. Bye bye à tous. À demain. Non, pas demain. À mercredi. Merci. Au revoir, merci à vous. À mercredi, jeudi et vendredi. Salut. Merci. Au revoir, bonne soirée, au revoir!